Calo, Bilé Calo. Non, 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 tu sais à quoi je pense. Dis pas de bêtises, on est à la télé. Ah non, non, non. Je ne dis jamais de bêtises, de toute façon, Jean-Claude, tu sais bien. D'accord. Loulou, tu vas faire quoi là? Ben, en fait, là, on a un nouveau Top Chef. Hein? Ça suit, allez, pour voir. Apparemment, il a un truc pour monter à nous, pour faire, mais qu'on n'est pas secoué et m'avoir. On va découvrir. Mais bon, alors. Chef, que sont-ils surprise, surprise. On va faire des côtes de porc sauce d'huître. Waouh! Tout ça? Un soir oui. Comme ça ici là? Pas mal, hein? On est deux jours avant Noël. Il y a Calix là-bas. Oui, moi. Bon, on regarde pas trop ce qu'il y a sur la table, hein? Claude? Chef. Au pilon, comme d'habitude? Chef. Est-ce que le chef? Pilon est assez bon? Oui. Il faut encore un petit peu de piment, peut-être? Oui. Ah oui. Bon, moi, là, congé aujourd'hui, hein? Moi, là, congé, mais regarde, c'est Badji, fait pour la cuisine pour nous ce soir. D'accord, alors, sur les bon. Les ordres de ton loup. Voilà. Tu vas rajouter de l'huile et tu vas faire rougir un peu ton fond. D'accord. Tu dis à toi, tu dis à toi. Hey, tu es chef ou sous-chef? Chef, c'est moi comme je... C'est une nouvelle recette, donc je connais. On va essayer. Donc là, tu vas faire quoi, là? Je vais mettre de l'huile. De l'huile. Mais de l'huile? Hey, qui chante ça? Mais de l'huile. Encore, encore, encore. Non, chef, toi, tu me guides alors. D'accord. Vas-y, chef. C'est bon, là. C'est bon? Oui. Ah, c'est très bon, mec. On va laisser chauffer un petit peu. Je vais chercher quelque chose de brûlant. Voilà, chef. Le quelque chose est là? C'est là, chef. Ah oui. Le machin bidule le truc. Comment tu passes ça? Le machin bidule le truc. Le machin bidule le truc? Le machin bidule truc. Machin bidule truc. Comment tu dis ça? Machin bidule truc. Machin bidule truc. Bon, et là tu fais quoi là? Bah, je vais mettre des morceaux, je vais faire rougir ma viande. Parce que là, la viande tu l'as assaisonnée déjà là, hein? Avec du poivre et du sel. Avec du poivre et du sel. Ah, d'accord alors. Bon. Bon, on va mettre des à point. Eh, hey, c'est une marmite à paella ça? Ouais. On a fait comme on peut. Hé hey chef, t'es gaucher quoi toi? Oui. Tu veux prendre la main chef hein? Ah non. T'as lavé tes mains toi chef? Oui. D'accord, ok. Ah ben t'as vu? T'as pas lavé ouais, tes mains? Ouais, je vais prendre ma main. Bon. Va laver le... Bon, okay. On va pas jeter. Je vais laver. Oh, c'est tout bien. Là, vous l'avez, on a commencé à faire la viande. On va se tremper. Là, on va faire deux. On va entendre tout, hein? C'est bon. On va mettre ça. Mets dedans. Et là, chef, tu fais quoi? Là, je tourne. Tu tournes ou tu touilles? Je tourne. D'accord. Je tourne ma viande. D'accord. Donc, tu touilles. Et pendant ce temps? Et pendant ce temps, les oreilles pilent. Et on dirait que tu as fait vraiment ça toute ta vie, toi. Oh. Et à chaque fois qu'on se voit, on te dit tout le temps que tu as fait ça toute ta vie, toi. Non, t'as mais pilé ça fait... toute ta vie, hein. J'ai toujours pilé. Ah bon, t'as toujours pilé. T'as pas habité en Afrique, toi? Parce qu'en Afrique, on pile le riz. Ouais. Hein? Ben, je me demande si dans une autre vie, je n'ai pas pilé en Afrique. Ah bon? Ah ouais, ouais. D'accord. Pilé, pilon, calou, pilon. Fais le morceau, toi. C'est bon. Bon, c'est bon? Chef. C'est assez là, d'après vous? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Parfait. Chef, il commence à rougir, hein? Faut faire attention. Ah, le machin bidule le truc, il veut pas m'écouter, hein? Là, tu mets quoi là? Sauce d'huître. Sauce d'huître. Là, tu mets un sauce d'huître alors? Oui, avec du sucre dedans. Avec du sucre dedans? Du sucre dedans. Oui. Wow. Tu vas rajouter une marinade. Là, je rajoute la marinade. Légèrement. Légèrement. Et je touille. Non. D'accord. Un peu de siav. Un peu de siav. Soja. Sauce soja. Légèrement.
Je vois, légèrement. Légèrement. C'est que le chef ici. Gentiment. Gentiment, voilà. Gentiment. Ensuite, je mets le thym. Le thym. T'es sûr que tu vas pas faire une bombe là? Non. Hein, ça va pas exploser ça. Là je tourne. Et là je tourne. Et moi je m'en vais parce que j'ai peur, j'ai peur. Non, ça va pas exploser. Tu peux même rajouter avec un peu ma main gauche. Pourquoi t'es gaucher toi? Maintenant je suis droitier, vas-y, gaucher. Vas-y. J'ai deux. T'es en bigash. Oui. Là tu rajoutes un petit peu d'eau à l'intérieur. Oui, je cherche un petit peu d'eau. Tu veux que l'eau glacée c'est bon? L'eau robinet c'est bon. Ouais. Deux verres d'eau, deux, trois verres d'eau. D'accord. Tu vas mettre de l'eau, voilà, et tu sors. Ah, ben c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon, pour l'instant, la chef. Et là, tu touilles? Oui. Là, j'ai fait la sauce du. J'ai fait la sauce, hein, chef? Oui, oui. Les gauchers, oui. C'est bon. Il est certainement bon. C'est pas bon. C'est bon? C'est pas bon, on donne le chien à chef, hein? Chef, c'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Encore un verre d'eau. Oh non. Ouais, c'est bon, si tu veux, oui, vas-y. Ben, il a pris ton truc bidule, le machin chouette. Ben, il y en a un autre, je vais chercher. Ah, il y en a un autre. Non, c'est bon, il va se redonner là. Viens. Hey. Chef, viens voir ta viande là. J'en ai un autre bidule, le truc machin chouette. Hey, ça, c'est trop gros, c'est cuillère, mémé, ça chef. D'accord. Là, rougis ta viande, tourne ta viande. Voilà. Et là, tu cherches quoi, là? La poudre de manioc. Non, 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 non. Ça, c'est massalé. C'est pas poudre de manioc, ça. Hein? Poudre de manioc, c'est ça, je crois. Ah, c'est merci. Regardé. Oui, poudre de manioc. Merci. Ah, ne confonds pas massalé et poudre de manioc. C'est pareil, les deux. La boîte est pareille. Il y en a un qui est blanc, l'autre qui est marron clair, marron foncé. Non, de la sauce. Non, bah, après. De la sauce, là. Non, pas tout de suite de la sauce. Hein. Oui, pas beaucoup. Tu tournes, tu as le tout. Donne-lui un extensile. Vas-y. Voilà, tu as du charge. C'est bon. Stop. Voilà. Oui. Là, tu viens. Là, il y a ton manœuvre qui touille pour toi, là. Hein. Vas-y, tu vas touiller. Ah, donc tu vas touiller toi-même, alors. Tu vas changer un peu de couleur. Pour manger. Si c'est pas bon, on va donner au chien, c'est bon? Oui. Exactement. Ça, c'est le tomate pour ton gougaille. Voilà. Mais j'attends mon chef. Chef? Chef, t'es où? Je suis en train de... Tu prends tes notes? Oui. Pourquoi tu prends tes non, notes? Le chef, il prend ses notes sur sa coque, sa toque. Eh ben non. Ah, tu as écrit chef. Allez, attends, je regarde là, montre-moi un petit coup là. Qu'est-ce que tu as écrit? Chef Sivaji. Oui. Voilà. Oh, t'as pas un peu le chevet qui ronfle toi? T'as pas un malbar pour rien toi, hein? Pour le regard, chef. Là, le chef, il a demandé que... Le chef a demandé à nous que le porc pour les rouges. Là, ici, il commence rouge, non? Il commence rougir. On écoute aller, sinon ça met à l'eau des oreilles. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un rougail tomate à base de l'anis étoilé et de coton midi. Ah, c'est bon pour la digestion. Ah bon? Oui. Et tu vas donner ça à Claude là-bas qui est en train de fabriquer le rougail tomate? Oui. Il va mettre ça dans le rougail tomate alors? Oui. Ben d'accord, alors. Ok. Et tu mélanges les deux ensemble? Oui. 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 D'accord. T'as Hey. Le chef, pour mettre son sauce dedans, il a préparé une sauce spéciale. Le chef prépare une sauce spéciale. À moi-même, il ne connaît pas coller son sauce. Hein. Il n'a même pas des autres. Il n'a pas des autres. C'est le chef. Alors, c'est sauce d'huile. Hey, sauce d'huile. Il va mettre la sauce dedans. Hein? Bon. Bien salé, à ce moment. Hein? Bien salé. Bien salé? Non, ça c'est quoi ça? Je pile. Ça fait depuis presque une heure que tu piles. Heureusement que je me suis arrêté quand même des temps en temps. Non, depuis quand là? Attention, ça donne des gros bras. Ça vient pas le faire.
Qu'on paye. J'ai mangé des épinards. Non, pour faire cuire mes côtelettes, je vais mettre de l'eau à base d'oignons et de gingembre. J'aurais dit pour mes oreilles. De l'eau. Du gingembre et des oignons. Bon, moi, les affaires. Oui. Voilà. Et de l'ail aussi. C'est un chef pas connu, ça, que c'est un chef dangereux, mon maïla. Alors, il est bon? Pas mauvais, lui, mais seulement, il va savoir son petit jeu de mots. Il fait des chimans à l'école. Non, mais quand tu parlais du vin. Pardon, le vin. Oh, il est excellent. Alors là. Non. C'est vraiment. Pilez avant pour mettre ça. Je mets un peu dedans. Hein? Quoi? Je mets un peu dedans. Dans la dent, non? La dent, dans la dent. Ah là, faut laver. Faut laver. Mais je vais laver. T'es sûr? Oui, sûr. Elle est lourde, ça? C'est mon petit sac, surtout. Et là, tu vas faire quoi? Je vais mettre ma sauce. Attends, un peu, là. Je cherche mon bidule truc magique. Mais t'as que des bidules machin truc chouette, toi, non? Voilà mon bidule truc machin, bidule truc chouette. Ça c'est le quoi? Bidule truc machin, bidule truc chouette. C'est une louche quoi? C'est une louche. Et tout ça pour dire louche? Oui. Et là avec la louche tu vas... Attention, alors c'est la sauce magique. Si vous voulez les ingrédients, ben, c'est secret. C'est secret? C'est pire Coca-Cola toi? Et là, on va laisser faire la cuisson au chef. D'accord. Voilà. Après, vous pouvez passer à table. C'est hyper bon, ma sauce. C'est quoi? C'est la sauce secrète, magique. Magique? Oui. Et alors? C'est chaud, mais c'est bon. C'est chaud, mais c'est bon? Oui. Il faut qu'un peu de cuisson, là, non? Encore un petit peu. Dans une demi-heure, comme ça, ce sera bon. T'es pas un peu marseillais, toi, non? Non. Une demi-heure, tu crois? Oui. 5 à 10 minutes. Même pas, peut-être 5 minutes, non? Ouais. Et c'est les Marseillais qui t'agirent généralement. Ben, peut-être je suis Marseillais. Et tu connais l'histoire sur les Marseillais? Il paraît qu'avec une sardine, ils ont bouché le port de Marseille. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais c'est l'effet marseillais. Et à force de goûter comme ça, il n'y en aura plus. Non, c'est ma dernière cuillère. Ah, d'accord. Un chef, ça goûte tout ce qu'il fait. Ouais, mais pas beaucoup, hein. Pourquoi je fais la grimace? C'est pas bon? Si, c'est pour avoir le goût. Ah bon, donc on fait la grimace pour avoir le goût.